Soleil généreux et neige abondante, il n'en fallait pas plus pour assurer un superbe week-end de ski aux jeunes invités par la région Rhône-Alpes. Alors l'idée initiale, c'est de venir à l'occasion de trois compétitions donc, qui auraient dû se faire normalement, l'une au Grand Bornand, c'est l'une à Val d'Isère et l'autre à Courchevel. Et puis ben voilà, les conditions météo ont fait que deux ont été annulées, mais le conseil régional a maintenu l'activité sur Val d'Isère et sur Courchevel. Alors ce sont tous les jeunes qui ont droit à la CATEMRA, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont lycéens, apprentis ou qui relèvent des missions locales. Alors le programme est très simple, c'est un forfait gratuit pour eux, un forfait gratuit pour un accompagnant. Charge à eux de se débrouiller pour le transport et la nourriture, mais sachant que le transport est organisé dans les grands centres, à partir des grands centres urbains de notre région, par les fédérations de la FFS. Environ 1000 jeunes sont venus pendant ces deux jours où le comité de ski du Lyonnais a pris une place importante, apportant son soutien bénévole. Bien, nous, en fait, on sert d'accueil pour permettre à tous les jeunes qui sont invités par le conseil régional de pouvoir passer une bonne journée au ski. Donc quand ils arrivent là, on les accueille, on va avec eux pour louer le matériel s'il y a besoin, et puis après on les accompagne sur les pistes de ski. Mais surtout, on met en place toute une animation qui va permettre à ces jeunes de faire du buzz autour de ça et de dire à leurs camarades de classe que le ski et la montagne, c'est vraiment super et qu'il faut y revenir parce qu'on s'amuse bien, et puis on est mieux là que devant sa télévision, quoi. Mission accomplie donc pour cette expérience qui a donné aux jeunes régionaux le plaisir de la montagne, du ski et des grands panoramas. C'est la CATEMRA qui nous a offert des places gratuites, des forfaits gratuits pour la journée. Donc c'est super, on peut en profiter et tout. Voilà, la CATEMRA, super. Donc, voilà.